Allez, nous sommes ici à Courbevoie, au centre événementiel. Dans quelques instants, un défilé exceptionnel, le défilé de Jean-Michel Rock. Podium live saison. Comment ça va Jean-Michel? Je vais bien et toi Ismaël? Ça va très bien. Les préparations pour le défilé dans quelques instants? Oui, les préparations sont hard, très très hautes. Sachez, depuis 9h du matin, on est là. Là, je ne suis pas encore coiffé, ni maquillé, ni habillé. Vous allez découvrir mon magnifique défilé de mode. Ainsi, ce que je porterai sur moi, vous allez être impressionnés. Effectivement, on voit derrière nous hein, les préparatifs, les filles, les mannequins se préparent. On aura un show exceptionnel. Un show exceptionnel, rarissime, du jamais vu en Ile-de-France, surtout dans la ville de Courbevoie, que je souhaite remercier. Merci en tout cas Jean-Michel, et on te retrouve tout à l'heure sur scène. Sur scène, avec un nouveau look et une nouvelle prestation par excellence. Merci. On rappelle la thématique également? Oui. La thématique? C'est-à-dire les animaux? Les animaux de la savane. De la savane, ah ben très bien. D'Afrique, bien sûr. Ah oui, bien évidemment, puisqu'on rappelle la thématique, c'est l'Afrique qui est à l'honneur ici, au centre événementiel de Courbevoie. On se retrouve dans quelques instants et vous pouvez suivre les images toujours sur Antimédia. Allez, toujours ici au centre événementiel de Courbevoie, dans quelques instants, un défilé exceptionnel. Et j'ai à mes côtés un mannequin professionnel. Elle s'appelle Lily Avar. Comment ça va, Lily? Ça va et vous? Ça va très bien. Oui, va. Est-ce que tu es déjà prête pour le défilé tout à l'heure? Ouais, je suis prête pour le défilé. Et j'ai vraiment hâte qu'on commence. Parce que voilà, on s'est vraiment préparé. Il y a eu plusieurs mois de préparation. Et on s'est vraiment donné à fond pour pouvoir vous présenter ce magnifique show qu'on va vous faire ce soir. Alors j'espère vraiment que vous allez apprécier et voilà, on a hâte que le show commence. Ah très bien, la thématique, on sait que ce sont les animaux d'Afrique, la savane qui sera représentée tout à l'heure. Ouais, exactement, donc le thème de ce show coiffure, c'est les animaux de la savane. Donc moi, comme vous avez pu le voir, là je suis actuellement en lièvre, donc voilà. Et du coup, c'est un plaisir pour moi de représenter cet animal qui me ressemble pas mal. Et vous serez d'accord avec moi, c'est un joli lièvre qu'on a avec nous. Oh, c'est Lily Avar. Merci en tout cas Lily. Je vous en prie, bah, merci à vous pour cette interview. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici à Paris avec Antimédia. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Merci à toi. Merci. On te retrouve dans quelques instants sur la scène. C'est ça, je vais allumer la piste. Préparez-vous parce que là on va mettre du lourd. Nous sommes toujours ici au centre événementiel de Courbevoie dans quelques instants, ce défilé exceptionnel, la thématique, les animaux de la savane d'Afrique. Et j'ai à mes côtés Lorena et Alice. Comment allez-vous? Ça va Lorena? Ça va. Tout va bien? Oui, tout va bien. Le défilé dans quelques instants? Comment? Le défilé dans quelques instants? Ah oui, oui, mais je suis très... Je sais pas. Déjà prête? Oui. Impatiente? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est juste ça. Ah ben très bien, très bien. On a également Alice à côté. Enchantée. Tout va bien? Très bien, et vous? Très bien. Je vois que vous êtes identiques. Oui, un peu. Habillés de la même façon, vous représentez quoi précisément dans la savane? La girafe, on représente la girafe. Voilà. Très bien. En général, la girafe avec son long cou, n'est-ce pas? Vous allez faire comment tout à l'heure? Malheureusement, on ne peut pas s'allonger le cou. Mais on va se redresser, on va montrer comme quoi la girafe est un animal plutôt imposant, qui est royal et voilà quoi. Très bien, en tout cas on aura deux jolies girafes dans quelques instants sur la scène. Il y a une troisième qui sera là, ah ben très bien. En tout cas, on vous verra dans quelques instants hein, sur le défilé qui s'annonce être exceptionnel, c'est bien ça? On l'espère. Ah ben voilà, bonne chance à vous alors, bon. On va apprécier dans quelques instants le défilé. Merci. Très bien. Merci en tout cas. Nous sommes toujours ici dans les coulisses du défilé dans quelques instants. Je rappelle que c'est Jean-Michel Rock qui patronne l'ensemble. Il y a un petit peu de pression, mais tout va bien quand même. Ben oui, on verra dans quelques instants le défilé avec cette thématique, les animaux de la savane d'Afrique. Je suis avec Patrick dans la savane d'Afrique. Enfin, on n'est pas encore dans la savane, on y sera tout à l'heure. Ça va Patrick?
Ça va très bien, et vous, monsieur? Ça va très très bien. Alors, on apprécie le maquillage, mais aussi le beau collier que tu portes. Très bien, merci. Dans quelques instants, tu vas représenter quel animal dans la savane? Oui, je représente le tigre. Le tigre? Oui. Voilà. Est-ce que c'est un animal qui te représente? Oui, ça me représente beaucoup, j'aime beaucoup le tigre. Ah ben voilà, dans le caractère également? Oui, parfait. Ah ben voilà, très bien. En tout cas, ça fait quoi d'être présent ici ce soir? Franchement, c'est un grand plaisir, je suis content. C'est une grande opportunité pour moi et puis voilà. Oui. Merci à toi. Merci, monsieur. Et on te retrouve tout à l'heure dans la savane. Ok, monsieur. Merci, à tout à l'heure. Merci. Je suis toujours dans les coulisses, en backstage du défilé qui aura lieu dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes à Courbevoie avec Nols. Comment ça va? Très bien, vous? Tu vas bien? Ça va très bien. J'apprécie la coiffure. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu représentes, Nols? Aujourd'hui, je représente le glou, donc un animal de la savane, quoi. Exactement. Ah, ben voilà. En tout cas, ça, c'est très, très bien fait. Exactement. Merci aux coiffeuses, d'ailleurs, qui sont là. Ah oui, alors tu as immortalisé le tout, j'espère. Ah ouais, là c'est sûr, là. On a fait des photos et là il manque plus que le défilé et puis ça va boucler. Très bien. À tes côtés, l'assistant qui est là. Voilà, toujours avec moi. Bonjour, monsieur l'assistant. Tu dis bonjour. Ça va bien? Oui. Tu manges une petite sucette avant? Oui. Alors, est-ce que tu as vu tous les animaux qui sont dans la savane là? Oui. Tu les aimes bien? Oui. Ton animal préféré, c'est lequel? Le clou, oui. Il a mal soufflé. Comment tu t'appelles, le prénom? Morgane. Ah ben voilà, il est tout mignon, il est là, il est aussi dans les coulisses et il veille sur le clou. Hein. Voilà, toujours, il est toujours là avec moi. Très bien, merci en tout cas Nols. Merci à vous. On te souhaite bon courage pour tout à l'heure. Merci. Petite beaucoup. Petite pression? Non, pas du tout. On a l'habitude. On a l'habitude, à force, on commence à... Ah ben voilà. En tout cas, merci à toi et on te retrouve dans quelques instants dans la savane. Voilà, exactement. Merci à vous. Au revoir. Nous sommes toujours ici à Courbevoie, au centre événementiel. Dans quelques instants, un défilé de mode exceptionnel. Mais on a aussi la présence de nos confrères qui sont là. On les salue. Il s'agit de Radio Flyweb Tropical. Et j'ai à mes côtés les deux fondateurs qui sont là. On va commencer par... Francis, comment ça va, Francis? Ben, ça va très bien, on est là tranquillement. Hein. Alors Francis, tu es l'animateur sur la radio. Je sais que depuis ce matin, vous êtes présent ici sur cet événement. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est très bien passé parce qu'on avait dit à Aro qu'on serait là. On l'a invité à Aro au studio. Elle est venue, je lui ai dit normalement je fais mon émission ici, parce que j'ai une émission qui s'appelle Bienvenue chez moi et que je me déplace à faire cette émission à l'extérieur. Et ça s'est très très très, très bien passé. Très bien. La radio en général, je sais que vous menez pas mal d'actions. On parlait tout à l'heure de passion de la radio. Depuis combien d'années pour toi? Quand je fais de la radio, waouh! Ça fait, tu sais, j'ai commencé la radio parce que je devais sortir un album. Et je me suis dit que si je sors un album, on va m'interviewer, donc il faut commencer à parler. Alors j'ai commencé la radio en janvier 1997 sur Radio Anguin. Et depuis, j'y suis jusqu'à maintenant. Et un jour, avec des amis, on a décidé de monter Radio Flyway Tropical. Donc, parce que je disais beaucoup que je n'entendais pas mes musiques sur les radios. Donc, on va dire à monter dans moi. Et fini avec ça. Voilà. Donc, il y aurait dans le lit. Il y aurait dans le lit. Mais après, on remarque qu'on ne peut pas passer que sa musique. Il y a d'autres personnes. Et puis, une radio n'est pas faite qu'avec une seule musique. Donc, on a ouvert à tout le monde. Donc, on dit on est plus ou moins... afro-caribéen, on passe de tout. Donc comme je dis souvent, on passe 60% de musique afro-caribéen et 40% pour les autres. Très bien. J'ai également à mes côtés Joël qui est un fondateur. Alors en général, Joël, il est très discret, mais on sait qu'il est très actif. Qu'a nous fait? Ouais, ça va. Moi, la catch est bien. Oui. Oui, je m'appelle Joël, alias Joe Lover. Et membre fondateur de Flyweb Tropical avec Francis et Jimmy qui n'est pas présent aujourd'hui. Oui, comme dit Francis, on a monté cette radio pour passer notre propre musique. Mais ce que je vois à l'instant, ça fait quelques temps, on n'entend même pas notre musique, on entend la musique des autres. Mais tout ça, ça nous fait plaisir parce qu'on a fait pour faire avancer notre musique. Je vois qu'ils sont en train de baisser par rapport aux autres parce que nous les Antillais, il y en a plein d'Antillais, j'ai remarqué,
qui avance la musique des autres et puis qui enterre notre part. Et nous, ce qu'on veut là maintenant, c'est que aimant la musique des autres, mais notre musique avant. Ah oui, ça c'est important. C'est très important. Alors... Très bien. En tout cas, on dira que c'est une radio qui mène une mission, hein, tout simplement, pour conserver notre culture musicale. Musicale, oui. Oui. En tout cas, merci Joël. Merci pour votre présence ici et cette petite interview, puisqu'on rappelle que nos confrères nous ont interviewés tout à l'heure, notamment sur Radio Flyboy Tropical. Donc il était tout simplement naturel qu'on vienne les voir afin qu'on puisse promotionner également la radio. On rappelle, Francis, que vous êtes bien sûr sur le web, mais aussi vous avez d'autres moyens. Il y en a d'autres moyens pour pouvoir vous écouter. Oui, c'est-à-dire que nous sommes avant tout sur le web, parce que c'est une radio web. Nous avons une application Flyway Tropical où on peut avoir accès au site, aux photos que nous faisons. Et puis nous sommes aussi partenaires avec quelques radios qui se trouvent au Canada, comme j'ai dit dans l'émission, au Canada, aux États-Unis et aussi du côté d'Haïti, sans oublier du côté de la Guadeloupe. Nous recherchons encore d'autres partenaires parce que maintenant c'est le partage qu'il faut. Donc on échange les émissions, donc celui qui m'entend effectivement voit qu'on est là pour échanger, on n'est pas là pour faire une radio seulement pour nous et puis soit la concurrence, il n'y a pas de concurrence. Comme on dit, c'est à deux, c'est à plusieurs qu'on avance, hein, pas tout seul. Flyboy Tropical ne pourra rien faire tout seul dans la communication, c'est avec les autres qu'on avance. Donc on est là pour ça, donc si les gens veulent nous contacter, donc nous assez ouverts quoi. Tout à fait, c'est l'union qui fait la force. Voilà, c'est l'union qui fait la force et puis nous avons pas mal d'émissions. Parce que je n'ai pas voulu faire une radio web où on passe de la musique. J'ai voulu que ce soit très vivante. Donc on est à environ une dizaine, même une quinzaine d'animateurs pour à peu près 22, 23 émissions. Ah oui, très bien. Alors, merci en tout cas Francis. Merci à vous, Anti-Immédia. Hein. Je connaissais déjà David assez souvent, mais bon, je l'avais jamais vu en chair et en os, mais à la mort, oui. Ah ben ça bon. En tout cas, on pourra tout simplement, vous pourrez suivre les programmes de Flyweb Tropical sur le www.flywebtropical.fr et comme Francis l'a dit, l'application que vous pouvez télécharger sur Apple Store ou encore sur le Play Store. Merci Francis, merci Joël et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'aventure sur Anti-Média. Nous sommes avec Catelox ici au centre événementiel. Alors, dans quelques instants, on a le défilé de Jean-Michel Rock. Et Catelox, c'est toi qui as porté les accessoires, notamment les bijoux hein, que tu as créés de toi-même, parce que je sais que tu fais pas mal de choses. Qu'en nous fait? Ah, là, tranquillement, bien. En ça, vous sont artistes dans l'âme. Ah, c'est ça, il y a toujours dit moins. Et en cas ça, c'est il y a tenu raison. Et on savait aussi que ou de Monalo. Ah oui, c'est Monalo même. En tout cas, vous avez fait des belles bites. Hein? Mm-hmm. Et qui genre d'inspiration la Kavine pour créer ces belles bijoux là ça? Ah, c'est pas en l'eau réfléchi. Ça quand vient tout seul en tête à moi, on a dit faut moins faire. Des fois, on a regardé un monde, on a dit mes bijoux là ça et qu'il y a éveil. Et là, quand on dit en fait, là, on présente il lit. En cas tout de suite, il est émerveillé. Mais c'est un bidon qui a vu par flash à force en travail dans ça. Hein? En cas ça, c'est un talent. Oui, en cas dit un talent, mais en cas dit ni de monde qui a dit ou ni bouteille quoi. Alors donc, connaître ça au café, hein, ben, c'est ça. En tout cas, on sait que vous créez spécialement pour donc, ces accessoires-là, pour défiler là à long moment. C'est l'Afrique. Et on savent que nous avons dit dans un homme là. Oui, on a toujours aimé l'Afrique. On a toujours aimé l'Afrique qui fait qu'on est en Afrique, mais on est dans un pays à Burkina. Et on a toujours apprécié Thomas Sankara. Et à laisser là, c'est apprécier Thomas Sankara en l'eau. Et moi, j'ai aimé philosophie Rasta. Alors donc là moi ailleurs en Afrique, en côté Garvé du moment aille en Éthiopie. Mais en période à Garvé, Éthiopie c'est toute l'Afrique. Alors donc on dit bon aille Burkina. Et pour aller Burkina, on atterrit Côte d'Ivoire, on fait un tour Côte d'Ivoire, on aille Ghana et après on aille voilà. C'est des côtés qui ont changé, hein, là où on est comme ça en Afrique.
ou qu'a pu voir gens c'est monaka vivre gens c'est monaka partager oui ou quoi connaître chaque monde ou quoi connaître qui côté yo sorti ou quoi connaître histoire yo et en Afrique ni en l'eau histoire et ça qu'a fait partie de nous histoire à nous et ou quoi connaître histoire alors automatiquement là ni un événement entier africain alors donc ou qu'a ni plus connaissance pour partager avec yo. Et alors, c'est l'amour, c'est un partage. Et si vous aimez l'Afrique, alors obligé ni l'amour à partage là ça et l'amour à connaissance à eux-mêmes. Et voilà. Vous pouvez répéter ça, c'est belle parole. En tout cas, si nous besoin joindre vous, si on monde besoin joindre vous, parce que vous pouvez voyager ou faire la navette, mais si vous besoin joindre vous, qui j'en nous faire pour un bel collier, un bel paru, un bel sujet, qui j'en nous faire. Ah, pas de problème. Qui veut dire on a fait carte au début. Mais à chaque fois, là qu'on dit en cavane, qui veut dire on est la vente dans l'âme. Parce que là, maman, moi, je suis en feuillage sur le marché. Puis, il y a la pointe, je suis en train de mettre un panier. Il y a un petit bébé. Et il y a un feuillage. Et en élevé dans la vente. Mais là qu'on dit, on a constaté qu'on ne veut pas acheter. On a parlé et puis acheter. Mais mon âme, il y a un panier en carte. En l'embaillant, il a dit, je vais t'appeler. Et en parlant suite, on dit, à partir de là, on va faire carte encore. Alors, on fait Facebook. Si on dit, vous voulez joindre moi, on va faire Facebook à moi. Mais on va parler, pour acheter un meilleur moi. Alors, bon, oui, Facebook là. C'est Ras Kamita. Mais c'est plus facile, c'est Mat, M-A-T, plus loin, Soleil. Oui. Voilà, ben c'est pas ni problème. En tout cas, merci en pile. Ouais, merci. Et nous avons découvert œuvre tout à l'heure parce que c'est dans la savane et on voit des belles colliers en ces modèles-là hein, tout à l'heure. Oui. Voilà. En tout cas, à bientôt. Vous aussi. Pas ni problème. Nous sommes toujours ici à Courbevoie pour cet événement exceptionnel, le salon de la beauté et avec de la mode dans quelques instants. I fall on you, brother. Fall on you, 'cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, 'cause I'm in love with you. Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. 'Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. 'Cause my guys call me Cristiano. I'm in love with you, money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, 'cause I'm in love with you. If I offend you, if I offend you, because sorry, oh baby, take a toe, sorry, oh baby, take a toe. I'm in love with you, I'm in love with you, oh baby, nothing of it to change amo, nothing of it to change amo. If I talk, then go say I dey talk. Yeah. Tell me why then they use Panadol for our headache. Yeah. How I go chop if my baby no chop? They want to spoil our market. Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah. I don't wanna be a player no more. 'Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo. I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo. I'm on Nintendo. Money fall on you, banana fall on you,
love it your way. Money fall on you, money fall. Banana fall on you, banana fall. Paparazzi follow you, money fall. Cause I'm in love with your way. If I offend you, if I offend you, because I your baby take out. Sorry your baby take out. I'm in love with you, I'm in love with you. Baby nothing of it to change amo. Nothing of it to change amo. Paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Kida, kida, kida me na. Your girlfriend, friend, person. Mix Mosa. Lovely, lovely, baby. Wonder, we did it, some more. Wonder, come on, baby. Say, what are you sure? Lovely, lovely, baby. We did it, some more. Freestyle.
we go boogie all night. Freestyle. Don't leave me there. Don't leave me, girl. If you do me right, I go
Michel qui va donc nous donner son avis hein, sur le défilé. Et je sais qu'il prépare ce défilé depuis quelques temps, quelques mois. Alors Jean-Michel, est-ce que la pression redescend maintenant ? Tout à fait, tout à fait. J'étais plutôt stressé dans les loges. Maintenant, la pression redescend. Grâce à la présence d'Antimédia, toujours. Hein. En tout cas, on a assisté à un magnifique show. Ça demande pas mal de mois de préparation. Oui, il faut à peu près entre 8 et 9 mois de préparation. Déjà pour le casting, pour faire des castings, parce qu'on fait des castings aussi pour les coiffeuses et maquilleuses. Rechercher aussi des stylistes, également les stylistes. Donc, tout ça, ça prend 8 mois de préparation globale. Pour aussi les maquilleuses aussi. On organise aussi divers castings. Et aujourd'hui, vous avez vu, vous avez remarqué aussi le résultat. Alors, tes impressions après le show ? Ben, alors Ismaël, je suis très très heureux par rapport à ce show que je vais baptiser, franchement, Haro Lasmoté Jean-Michel Rock Show. Voilà, parce que ce thème, c'est pour défendre, contre la maltraitance des animaux. Et c'est pour cela que j'ai fait ce show aujourd'hui, pour transmettre un message. Très bien, très beau message en tout cas. Très beau défilé, on a vu le monde qui s'est déplacé justement. Oui, il y a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, de Londres et de l'Espagne qui sont venus, et même vous aussi des Antilles et de Saint-Martin, voilà, qui sont venus directement en Ile-de-France, directement à Courbevoie. Alors Jean-Michel, à venir, quels sont les projets à venir? Est-ce que tu prépares déjà d'autres défilés? J'ai un autre défilé prévu au mois de novembre avec une agence qui est de Bordeaux, qui est l'agence Milano, pour élire un nouveau égérie, hommes et femmes, et ensuite pour signer un contrat dans une autre agence, et également aussi pour promouvoir leurs agences. Et à partir du mois de mars 2019, on va organiser un troisième défilé, mais pas sous le thème du show coiffure, mais sous la haute couture cette fois-ci. C'est une surprise. Très bien, merci en tout cas Jean-Michel, et bonne continuation. Merci beaucoup, et je vous dis à bientôt. Merci à toute l'équipe d'Antimédia, je vous adore et je vous aime. C'est nous qui te remercions. Merci Jean-Michel. La présidente Haro, qui est avec nous sur... Ah ben voilà, vous pouvez venir ensemble, il n'y a aucun problème. Alors, on va commencer par toi. Tu représentais quoi ce soir? Moi, je représentais le lion. Le lion. Le roi de la jungle. Est-ce que tu l'as dans le caractère? Assez. Ah ben voilà, très bien. En tout cas, on peut apprécier, vous pouvez apprécier, chers téléspectateurs, le maquillage, la coiffure, on a aussi le vêtement, c'est un tout. Hein, ça demande pas mal de préparation. En préparation, combien de temps pour ce défilé? Pas mal de temps, depuis 9h du matin. Et on du travail acharné. Il y a toute une logistique autour. Est-ce que Jean-Michel met un petit peu de la pression? Un petit peu. Est-ce qu'il est exigeant? Oui, et il n'y a pas que lui. Bon, désolé, Haro, il y a Haro aussi. Il n'y a pas que lui. Elle est aussi exigeante. Et c'est l'exigence qui fait avancer. Tu es exigeante, Haro? Je suis exigeante, oui, je reconnais. Tu veux que les choses soient carrées, la qualité? Oui, je veux que les choses soient carrées, que ce soit quelque chose de qualité, que ce soit bien et qu'on soit irréprochable dans le travail qu'on fournit. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, j'espère qu'on l'a réussi. Mais... Justement, quelles sont tes impressions après ces deux jours, après donc, ce défilé final? Beaucoup d'émotions. Comme disait tout à l'heure l'artiste, il nous a fait ses dessins, mais c'est vrai qu'on imagine, on se dit bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand on commence à toucher les cheveux des personnes, on se dit ah non, mais là, c'est pas ça. Et puis on change. Mais bon, je pense qu'on a quand même réussi. Il est content de l'image qu'on a fait de ses dessins. On est aussi, nous, contents de notre travail. Donc voilà, c'est très bien. Et on remercie tous ceux qui sont là ce week-end, tous les exposants, les visiteurs qui sont venus. Ceux qui ne sont pas venus, j'espère que l'année prochaine, ils pourront faire le détour pour voir ça. Et puis, tout le travail fourni par les modèles depuis le mois de mai, qu'on a commencé à travailler sur le défilé. Ils ont toujours été présents, toujours comme il faut. Donc c'est très bien. Et merci à Jean-Michel pour le coaching. L'association interculturelle, passerelle interculturelle, d'autres actions à venir? Là maintenant on va faire le bilan avec tout le monde. Ceux qui nous ont aidés, ma coiffeur, maquilleur, les visiteurs, les stands, les modèles. On va faire le bilan avec tout le monde, les artistes, voir ce qu'il en découle et faire aussi le bilan par rapport au projet qu'on est en train de mener. Parce qu'avant toute chose,
c'est pour ce projet-là aussi qu'on est là et pouvoir commencer vraiment à mettre la main à la pâte pour que ce projet soit réalisé. Voilà, on rappelle que c'est le projet Solidaire Solaire. Voilà, pour promouvoir les lampes solaires et surtout la formation en énergie solaire en Afrique et ensuite au-delà de l'Afrique, tout endroit où il y a du soleil, qu'au moins dans ces endroits-là, qu'il y ait aussi la connaissance. Parce que ce n'est pas juste acheter un produit, s'en servir, être content et dire je l'ai. Mais après, une fois que c'est en panne, une fois que j'ai besoin d'un autre, si le fournisseur n'est pas là, bon, bah, on ne peut plus. Et c'est aussi un moyen aussi de créer des emplois. Parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça de monter une lampe. Les panneaux solaires, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est un métier également à part entière qu'on va aussi apprendre aux gens sur place. Et pour que des connaissances soient sur le terrain, pouvoir réaliser les choses pour les gens sur le terrain. Et aussi, étant d'origine africaine, ça fait toujours mal au cœur de voir les bateaux, les gens qui disent non, je ne veux pas d'eux, je ne veux pas de ci. On ne sait pas pourquoi ces gens-là sont partis. On ne part pas comme ça pour risquer sa vie en disant je vais voir s'il y a mieux ailleurs. Tout à fait, voilà, tout à fait. Il y a toujours une cause. C'est ça. Là où je suis, ça ne va pas. Donc je vais chercher ailleurs. Et malgré tous les risques, tout ce qu'on voit, tous les médias, mais les gens partent toujours. Donc c'est qu'il y a vraiment un problème, quelque chose qui fait que les gens ne peuvent pas rester ou se contenter peut-être du peu qu'ils ont. Ça ne suffit pas pour vivre. Donc on va essayer de leur donner quand même quelque chose. Comme on dit, le poisson ou la canne à pêche. Donc. Très bien, très bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour votre intervention, pour vos actions que vous menez. Et on vous souhaite... Bien évidemment, bon vent, bon courage pour les actions à venir. Ouais. Bah, merci et puis bah, un petit coucou à nos partenaires solaires, Africa Solar au Mali, qui viennent faire un atelier de montage de lampes là, ce week-end, qui était parti pour ça, qu'on a mis en place avec lui. Et on va bientôt, si tout va bien, mettre en place la tournée du soleil au Mali également, où on va aller sensibiliser les gens dans les différents villages et leur montrer comment monter les lampes. Et également Simple Solaire, qui est notre partenaire sur l'ouverture d'une laverie avec des machines solaires pour offrir aux laveuses de Dakar. Voilà. Très bien. Merci à vous aussi d'avoir fait le déplacement quand même. Anti-Média qui s'est déplacé bien évidemment, ouais, spécialement. Pour nous, voilà, un très grand honneur, un grand plaisir de vous avoir eu sur ce salon ce week-end. Très bien, merci de votre accueil également. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aro, merci également à toi le Lion. Il va rentrer se reposer là Lion. Un petit peu, un petit peu. Bon ben je profite tant que vous êtes là pour passer un bonjour à la Guadeloupe. Je suis un Guadeloupéen. Je fais le Guadeloupe Martinique, mais j'ai de la famille en Guadeloupe, Saint-François, la famille Jeanne. Je leur fais des gros bisous et bisous à tout le monde. Très bien, la famille Jeanne qu'on salue au passage. Merci en tout cas, merci, merci bien. Nous sommes toujours ici en direct de Courbevoie. On a notre mannequin qui est là. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Bien passé? Oui. On a vu effectivement l'élégance à l'état pur. Oui, ça m'a plu beaucoup. Oui. Alors, les défilés, qu'est-ce qu'on a à venir pour toi? En tant que mannequin, est-ce que tu as des défilés à venir? Oui. Oui. Par exemple, l'actualité? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a à venir? Tu seras sur quel défilé, le prochain? Le prochain défilé, il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Bon, après, j'attends un peu pour voir qu'est-ce qui... Le prochain défilé, c'est dans pas très longtemps, dans 2 semaines. D'accord. J'ai un autre défilé et puis voilà. Ça se passe comment? On vous appelle? Est-ce que vous sélectionnez les défilés? Oui, on me sélectionne des défilés, on me propose des trucs et puis voilà, oui. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Voilà, merci. Nous sommes toujours ici, je rappelle, à Courbevoie, au centre événementiel. Et nous avons des dauphines qui sont là. Ah ben oui, on a des dauphines, mais on a aussi des miss. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Venez à mes côtés, elles vont nous en dire un petit peu plus. Alors, on a des dauphines, mais la miss, elle est où la miss? Elle arrive, donc elle a envoyé les dauphines en amont. Ah ben voilà, c'est très bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes dauphine de quoi précisément? Dites-nous tout. Alors, Miss Ronde, Île-de-France. Ah ben très bien, Île-de-France, tout simplement. C'est ça. Ah ben voilà, Miss Ronde. Et Paris. Ah ben voilà, c'est très bien. En tout cas, elles sont somptueuses, elles sont radieuses. Le prénom? Lorena. C'est Lorena, oui. C'est ça. Nous avons Stéphie. Stéphie, très bien. Alors Stéphie qui nous vient de la Martinique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Fais un petit coucou à nos amis de la Martinique qui nous regardent. Martinique, je suis contente d'être là. C'est quelle famille? Condoris. Ah ben voilà, n'hésite pas, ils sont là. Ah oh bah coucou. Très bien, le prénom? Charlotte. Ça va Charlotte? Très bien. Tu es troisième dauphine.
Miss Ronde Paris. Miss Ronde Paris, ah ben voilà, c'est très bien. Et nous avons aussi... Et bonsoir, Ferrielle. Ferrienne, ça va Ferrienne? Ça va, super. Première Dauphine. Première Dauphine, Miss Ronde Île-de-France. Île-de-France, ah ben très bien. Ben, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, vous allez défiler tout à l'heure, c'est ça? Et on a bien sûr la Miss, chère téléspectateur d'Antimedia. On a donc notre Miss Ronde qui est là. Comment ça va? Ça va très bien. Elle va se présenter. Alors, je suis sixième, je suis travailleuse sociale, je suis aussi dans le relooking et Miss Ronde Paris 2018. Ah ben voilà, comment ça s'est passé l'élection? C'était quand? Elle a lieu quand? En avril 2018. En avril 2018. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de préparation pour décider d'y aller? Comment ça s'est passé? Alors, je me suis lancée, vraiment. Après, bien sûr, ça nécessite une préparation mentale. C'est se mettre à nu devant des inconnus, c'est pouvoir parler de ses complexes et... Ça nécessite vraiment de la préparation. En tout cas, je vois que vous êtes fière et c'est bien de l'être, n'est-ce pas? Et vous êtes belle, tout simplement. Merci en tout cas. Merci, c'est moi. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà, à très bientôt. On a, ah oui, voilà, et le clin d'œil pour les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane également, qui nous regardent, et le monde entier, bien sûr, Antilles Média. Merci à vous les filles. Très bien. Toujours ici à Courbevoie, nous avons avec nous des artistes en tout genre et notamment cet artiste qui a tout à l'heure animé le show mode, du moins l'Afrique, les animaux dans la savane. Il s'appelle Davinci Kanoufé. Comment ça va? Ça va très bien. Davinci. C'est ça, Davinci, D-A-Y quoi. Comme alors, Davinci. On t'a vu tout à l'heure sur scène et on a vu effectivement que tu es dans la tendance américaine. Effectivement, c'est pas vraiment un choix, ça s'est fait tout seul. J'ai grandi aux États-Unis, donc j'ai commencé la musique là-bas. Et comme on dit, la musique, c'est pas d'où tu viens, c'est où tu es. Hein, le rap en français, c'est pas parce que tu parles français que tu peux écrire en français. Ça se vit, le rap, la R&B, c'est quelque chose qu'on vit. Et moi, je vis à l'américaine, je vis à l'anglais, je vis en Angleterre, j'ai grandi aux États-Unis. Donc même si je parle français, naturellement, instinctivement, c'est l'anglophone qui parle. Mais si je reste longtemps ici, ça peut venir. Hein. C'est ce que je... Ben oui, bien sûr. Et puis tu le parles déjà très très bien. Yeah, ah ben oui. Exactement, ça serait... Alors l'actualité pour toi? Aujourd'hui, c'est je viens de sortir un album, 15 titres. C'est mon premier album, Trafiquant. Trafficking, c'est TR Africain. Hein. J'ai sorti mon premier single. Je viens de sortir la vidéo la semaine dernière que j'ai filmée à Paris. Je me suis dit, je vais revenir à Paris, là où tout a commencé. Je suis né ici et on verra comment ça se passait. Donc là, je suis en train de commencer une tournée, faire des promos et tout et faire plus de shows comme ça. Ça fait plaisir. Trafficking, le lien avec l'Afrique. Yeah, je suis africain. Je suis très fier d'être africain. J'ai grandi aux États-Unis. Et on voit beaucoup, on entend dans l'actualité les problèmes de racisme, les problèmes de... Mais avec la musique, je pense que avec les Nigériens qui ramènent avec l'Afrobeat, les Sénégalais qui ont toujours été forts dans le djembé et tout ça, je pense qu'il y a une identité à se faire. Et nous, on est la deuxième génération d'Africains et on grandit aux États-Unis. D'accord ? On parle couramment, on est comme des Américains. Donc on comprend leur système. Et c'est ce que je veux essayer de créer un mouvement, une identité africaine. Mais dans le même type de musique, c'est-à-dire que je fais de la musique comme eux, je parle comme eux, je rappe comme eux, mais c'est avec cette identité africaine, avec des petites sonorités, des petits mots, etc. Donc c'est ce que j'essaie de lancer. Très bien, en tout cas merci à toi. Si on souhaite te suivre, ton actualité, les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, je suis partout, c'est Davincible, comme invincible, je suis Davincible. Facebook, Instagram, Twitter, partout. Actualité, je suis sur YouTube, j'ai... Je suis pas très réseaux sociaux, moi je suis plus avec le people. Donc je suis pas très, je poste pas tous les jours, je suis un peu mystérieux dans ce sens-là. Mais on peut me trouver quand même. Parfait, on pourra trouver ton album. L'album il est sur toutes les plateformes, il est en ligne, partout, téléchargeable, stream. J'ai fait beaucoup de remix, j'ai fait un remix avec Wiz Khalifa, j'ai fait un remix avec Akon. J'ai fait beaucoup de remix avec des grands artistes et bon, on verra comment ça a donné quoi. Merci en tout cas Davinci et à très bientôt. Merci. Nous sommes toujours sur Antimedia avec Lily qu'on a vu tout à l'heure. On était tout à l'heure dans les coulisses et là elle a défilé. On a les images.
Et c'est formidable, ça s'est bien passé, Lily? Alors franchement, ça s'est super bien passé. Il y avait une petite montée d'adrénaline, comme d'habitude à chaque défilé, on est un petit peu stressé, on a un peu la pression. Mais comme d'hab, je gère parce que maintenant le podium, c'est devenu mon meilleur ami. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis mannequin et je suis fière de représenter toutes ces belles créations. En plus, c'est pour une cause caritative, donc du coup, ça me fait encore plus plaisir parce que je sais que derrière mes pas, il y a un projet qui est en train de se créer. Et si vraiment je peux aider pour ça, ben, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà. Très bien, merci en tout cas pour ta sympathie. Et il y a aussi le charme qui découle de la sympathie, n'est-ce pas? Aussi. Ben voilà. En tout cas, on parle souvent d'initiative et on a justement un jeune homme qui est là et qui a décidé de se lancer. On m'a parlé d'une nouvelle marque qui sera bientôt tendance, plus que tendance. Comment ça va? Alors, moi, je me présente, je m'appelle Angie et j'ai créé une marque en fait de vêtements 1848. Ça me semble de l'esclavage en fait de plusieurs îles telles que la Martinique, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. En fait, j'ai voulu passer un message aux jeunes qui ne connaissent pas, on va dire, cette date, d'apprendre, de ne pas oublier aussi pour les nouvelles générations, de ne pas oublier que c'est une date, on va dire, qui nous concerne à nous, les jeunes. Et plus on grandit, plus on oublie, en fait. C'est ce que moi, je vais dire, je fais passer comme message. Et aussi, je suis lancé seul sur une marque aussi qui s'appelle Fréquent Paris. En fait, c'est une marque jeune qui incarne l'audace, je veux dire, pour que les jeunes y osent plus dans la vie, qu'ils arrêtent, on va dire, de se faire marcher dessus, qu'ils peuvent aussi entreprendre dans la vie. On va dire, c'est ça que je pense comme message à travers les jeunes, à travers la marque de vêtements. Très bien. Alors, si on souhaite effectivement retrouver tes vêtements, comment faire? Justement, bon, sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram. 1848 Indépendance pour la marque 1848 et Fréquent Paris sur Facebook, Instagram. Oui. Et il y a aussi le site internet. Très bien. Le site internet, on va. Oui, tu voulais dire? Mais en fait, sa marque aussi, elle est dans une boutique aussi, dans un centre commercial, à My Place à Sarcelles. Donc, elle est disponible en vente. Très bien, on va pouvoir trouver en direct et également sur les réseaux si on souhaite prendre contact avec toi. On va redonner le nom précis hein, pour qu'on puisse y aller. Exactement, c'est Fréquent Paris et 1848 Indépendance. Très bien, merci en tout cas et bonne continuation. Merci Lily. Merci à toi, merci à Antimédia et un gros bisou pour toute l'Anti. Voilà. Voilà, très bien. Ça se passe comme ça, une belle ambiance ici au centre événementiel de Courbevoie où nous nous trouvons actuellement pour ce show mode. C'est le show mode aujourd'hui, mais nous sommes effectivement dans le cadre donc de cette belle manifestation de l'association Passerelle Interculturelle. Sur ces deux jours, hein, nous étions là hier avec un beau plateau, aujourd'hui également avec ce final, un grand show mode avec Jean-Michel Rock et ses mannequins. On vous remercie de votre attention, vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de nous contacter Antimédia, www.antimedia.com pour toutes vos manifestations et événements, que ce soit en matière de spot publicitaire, en matière de régie également. N'hésitez pas, Antimédia est très 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 diversifié. Et écoutez-nous avec nos différentes radios et nos différents flux sur le www.antimedia.com et sur notre page Facebook. Antilles Média. On se retrouve tant qu'à nous très bientôt pour de nouvelles aventures. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.